Et sur ce plateau, nous accueillons Jean-Luc Benamias. Bonsoir. Vous êtes député européen du Modem. Tout d'abord, une réaction à ce reportage. L'insécurité à Marseille, ce sera au cœur de la présidentielle ? À Marseille, la sécurité sera un des sujets de la présidentielle. Mais quand on regarde les sondages, pas tant que ça. Mais moi, j'ai une pensée pour la famille, hein, sérieusement. Le décès, bon, c'est un drame, hein, c'est dramatique. Voilà. Après, le débat sur la sécurité globale, à Marseille, comme dans beaucoup d'autres villes, en France, c'est un autre débat. On a l'impression qu'au Modem, vous n'en parlez pas trop, l'insécurité. Quelles sont les solutions que votre candidat, François Bayrou, compte apporter ? Dans une autre vie, avant que j'habite à Marseille, où j'habite depuis 8 ans ou 9 ans, j'étais maire adjoint à la sécurité publique dans une grande ville de banlieue, en banlieue parisienne. Donc c'est un sujet que je connais assez bien et qui demande évidemment à la fois beaucoup de vigilance, des moyens et à la fois un côté d'une grande lucidité. Mais sérieusement, dans ce cadre-là, au matin du décès de ce policier, bon, pensez à la famille. On comprend bien votre retenue, mais à l'origine, puisqu'on parle du président de la République, Nicolas Sarkozy était à Marseille pour participer au congrès du Parti populaire européen qui se tient jusqu'à demain au Parc Chanot, un congrès qui réunit certains chefs d'État européens, dont Angela Merkel, une réunion pour préparer le sommet européen de demain, crucial pour l'avenir de l'Europe. Pour certains élus locaux, un tel événement à Marseille, c'est le signe que la ville compte. On écoute Renaud Muselier au micro de Stéphane Burgat. Sur Marseille, c'est une capitale, hein. C'est une capitale euro-méditerranéenne. Et qu'il y ait de grands événements à Marseille, c'est retrouver son rang, retrouver sa place. Donc c'est très important. Vous attendez des retombées un peu ? Il y a des retombées d'image, il y a des retombées économiques. Je préfère voir l'ensemble des dirigeants européens ici à la une des journaux que d'autres faits divers qui sont dramatiques pour l'image de la ville. Voilà. Il se passe des choses, il y a des gens de tout premier niveau qui viennent dans la deuxième ville de France, qui est une ville capitale, et ils prennent des décisions fondamentales pour l'avenir de notre pays, voire de l'Europe. Avoir aujourd'hui à Marseille Angela Merkel, le président de la République Nicolas Sarkozy et l'ensemble des dirigeants européens, on se rend compte à quel point il est important de fédérer, d'agir immédiatement, tout de suite et rapidement. Jean-Luc Benamias, vous êtes d'accord avec l'analyse que fait Renaud Muselier ? Pour une fois, je suis à peu près d'accord avec la première partie. C'est très très bon pour Marseille. Très bon pour l'hôtellerie. Bon, juste une chose, on aurait pu accueillir un peu mieux Bernard Lavilliers. C'est difficile, il n'y avait plus de chambre. Et il a dû repartir parce qu'il n'y avait plus de chambre. Mais c'est de l'humour, hein, vraiment. C'est un succès par rapport à Marseille, c'est très bien. Pour le reste, ce n'est pas dans cette réunion, contrairement à ce que dit Renaud Muselier, que vont se décider les grandes décisions européennes. C'est à Bruxelles que ça va se décider, parce que c'est là-bas que ça se décide. Mais voilà, pour Marseille, très bien, c'est du positif, c'est du qualitatif. Et je félicite à ce titre-là Madame Vlasto. Vlasto, qui est maire adjointe de la ville de Marseille, qui est par ailleurs députée, qui est une collègue à moi, députée européenne, qui a organisé depuis un an l'accueil de 3000 congressistes, ça n'est pas rien. Donc voilà, ça, c'est tout bénéf pour Marseille. Alors vous qui êtes député européen, justement, qu'est-ce que vous pensez de la politique du tandem Merkel-Sarkozy ? C'est un faux tandem. Vous savez, il faudrait beaucoup de temps pour parler de cela. La situation est tout à fait catastrophique et on ne met que des rustines. Et ce soir, on ne mettra que des rustines. Et demain, on ne mettra que des rustines. On ne répondra pas à l'ampleur de la crise par rapport à des décisions qui sont prises à la va-vite et qui vont bien au-delà. Le couple franco-allemand est indispensable, mais qui vont bien au-delà du couple franco-allemand. L'Union européenne, c'est 27. Globalement, il y a un grand oubli dans toutes ces affaires, c'est que le Parlement européen existe et que par rapport à cela, on est aussi porteur de décisions et que, je le dis, on est dans un système où depuis maintenant presque un an, rustine sur rustine. Il faudrait bien plus que cela. Alors, votre candidat, François Bayrou, est très courtisé en ce moment. Après le PS, c'est l'UMP qui tend les bras au Modem. Est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui que votre parti ne fera pas d'alliance avant les présidentielles ? Ah bah, avant les présidentielles, on ne fera pas d'alliance. Et après ? Après les alliances, on verra le score du premier tour. François Bayrou l'a dit et répété, troisième fois qu'il se présente. Ça prend un écho quand on pense à François Mitterrand et à Jacques Chirac qui ont gagné la troisième fois. Et puis, au soir du premier tour, on verra où on en est. Nous jouons le second tour. Et pour les législatives, on sait qu'ici à Marseille, vous êtes plutôt avec le PS. Non, ça c'est autre chose, ça. Qu'on soit, qu'on ait passé alliance au second tour des municipales et qu'on ait passé alliance à la communauté urbaine avec le PS, ou avec aussi des gens de droite, rappelez-vous, à la communauté urbaine, sinon M. Caselli ne serait pas président. Nous verrons. Tout ça est discutable. Pour l'instant, on joue le premier tour. Nous avons décidé, il y a maintenant près de 6 mois, au mouvement démocrate de démarrer notre campagne. En ce moment, c'est fait maintenant depuis hier. Les sondages frémissent. La campagne est bien lancée pour votre candidat. Je vous remercie. Bien lancée, oui. Honorablement, on est à 9% dans les sondages hier, en tous les cas. Merci d'avoir répondu à nos questions, Jean-Luc Benamias.